Vous êtes peut-être à table, il est 12h48, et en France, la table, la nourriture, les plats, c'est toujours très politique. Je vous dis ça parce que la mairie écologiste de Lyon a décidé que les petits Lyonnais n'allaient plus manger de cordon bleu à la cantine. Le cordon bleu, on le sait, c'est cette escalope de poulet, souvent enroulée dans du fromage et du jambon, et le tout enrobé de panure. Trop transformé, bref, pas assez écolo. Écoutez les explications de Gauthier Chapuis, élu à la ville de Lyon en charge de l'alimentation. Dedans, il y a des viandes dont on ne connaît pas forcément toujours l'origine. Il y a des additifs, il y a du fromage qui n'est jamais en fait de bonne qualité. Et tout ça, en fait, fait un produit qui est ultra transformé, dont on ne connaît pas la traçabilité des produits et qui est mauvais à la fois pour la planète, à la fois pour l'économie locale, puisque ce ne sont pas des producteurs locaux, et à la fois pour la santé, et notamment des enfants. On a un grand plan d'investissement dans notre cuisine centrale de 4 millions d'euros pour mettre en place du matériel et des outils pour diversifier les plats qui peuvent être faits en cuisine centrale. On arrête les produits ultra transformés, ou du moins on en réduit la part au maximum, pour revenir à des produits locaux, bio, sains, et qui n'empêchent pas de prendre du plaisir. Voilà, je suis sûr que ça vous fait réagir chez vous. Il y a peut-être une solution, c'est aussi faire des cordons bleus avec des produits de bonne qualité. Ça peut être possible aussi. Voilà, en tout cas, c'est la décision de la mairie écolo de Lyon. Il est